Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire le montage d'un streamer un peu dans l'idée du poulpe, très simple, donc là on a Egg Yarn et puis Flash Abu de Bing, je vous ferai voir par la suite. Donc on a un grand choix de teintes, donc ce qui tombe bien pour le réservoir. Donc vous voyez, il y a de quoi s'amuser quoi, on peut chercher dans toutes les couleurs. Et comme je vous ai dit, l'avantage de ce streamer c'est qu'il est très léger, c'est un copain qui m'avait prêté une mouche pour pêcher en réservoir. Et je lui ai demandé si je pouvais faire la vidéo, mais il dit, il n'y a pas de problème. Et du coup, j'ai utilisé cette mouche, et c'est vrai que c'est très intéressant, parce que bah, du coup, on retrouve un peu les propriétés du poulpe. C'est très léger, ça peut pêcher en sèche, ça peut pêcher sous l'eau, au streamer. Enfin, différentes. C'est toujours pareil, c'est aussi sur l'animation que ça peut jouer, et sur le fil, le badline que vous allez utiliser, si vous utilisez du fluorocarbone ou du nylon. Le montage, donc là, très simple. J'ai mis un hameçon STSA, donc c'est streamer sans ardillon, pour ceux qui ne connaissent pas encore la dénomination des références. Voilà, je vais l'expliquer à chaque fois. Les NY sont les nymphes et les S sont les sèches. Donc voilà, pour vous donner une idée pour les retrouver sur le site. Donc là, il est en 6. On va prendre, je vais en faire un rose. Donc on prend une mèche de Egg Yarn, environ 5-6 cm. Donc ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, c'est tirer quelques fibres un peu. C'est un peu, on retrouve un peu le montage pour les mouches carnassiers. Hein. D'ailleurs, ça peut être utilisé pour les plus grandes mèches sur le carnat. Et puis ensuite, moi je prends une brosse à dents. Et puis je brosse pour un peu enlever les fibres les plus petites. Et puis surtout, c'est essayer de faire un dégradé. En tirant des pincées comme ceci. Donc le mieux c'est de le faire sur la table, vous prenez sur votre table et puis vous brossez les fibres. Donc 5-6 cm, c'est pas mal, c'est la bonne. Donc la bourre, on la garde, il n'y a pas de souci, tout c'est. Et donc on obtient quelque chose d'un peu plus aéré comme ceci, qu'on peut encore défaire, vous voyez, ici comme ça. Voilà, dans l'idée c'est d'avoir quelque chose qui n'est pas net ici. En fil de montage, là j'ai pris un fil, ce que j'avais sous la main, c'est du GSP en blanc. Donc vous prenez ce que vous avez. On fait un sous-corps pour maintenir un peu les fibres. Voilà, donc le GSP c'est quand même un fil qui glisse. Donc je préfère mettre une petite goutte de cyano. Voilà. Un aller-retour et puis surtout on va enlever l'excédent de glu. Voilà, donc la bourre qu'on avait retirée en brossant, bah voilà, rien ne se perd, on va s'en servir. Donc je vais faire un peu un sous-corps dessous. Bon, pas le meilleur fil pour faire glisser des fibres, le GSP, c'est pas grave. Voilà. Juste un sous-corps comme ça, c'est histoire de pas perdre pas jeter. Là, on peut brosser un peu. Le tout et que ça fasse un peu de volume. Voilà. Et puis là, ben, on va prendre notre mèche. Donc on regarde à peu près. Voilà. On élargit encore un peu. Voilà. Donc la partie basse va être un peu comme un montage carnat. Donc on l'aère un peu. D'accord. Là, je vais positionner à l'intérieur des fibres brillantes du Flash Abu de Bing. Donc c'est juste pour, une fois mouillé, ça donne un peu des reflets. Donc c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment à peine une pincée. Là, je vais prendre même la moitié de ce que j'ai prélevé. Donc là, c'est le perle qu'on va glisser dedans. On essaye de le laisser un peu au milieu, parce que c'est là où il y aura un peu le point de fixation. Voilà, qu'il y ait plus de fibres le plus possible prises à l'intérieur. On fait un peu, on roule un peu comme du papier à cigarette. Voilà. Et on va prendre la partie la plus courte. On va diviser un peu notre mèche
en deux. La partie la plus courte, donc qui se trouve ici à droite, on va la prendre comme ceci et elle va faire le dessous de notre mouche. Donc, on vient la placer, on fixe. Voilà, on brossera par la suite. Et donc, par inversement, la partie la plus longue. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut répartir. Vous voyez, ça fait un espèce d'éventail que vous allez rabattre sur le devant, sur l'arrière, pardon. Et puis, on vient simplement faire notre tête. Un coup de whip finish. Puis un deuxième. Suffit de brosser un peu, enlever les fibres qui voilà. Donc la bourse gardera pour la prochaine mouche. Et là voilà, on a notre petit streamer réservoir. Vous voyez qu'il y a un peu de fibre brillante dedans, à l'intérieur, sur les côtés, un peu partout. Donc très très bonne mouche. Alors en différentes teintes, le rose marche pas mal. Ces teintes-là marchent bien aussi. Le crème, le blanc, enfin ouais, les couleurs réservoirs, le chartreuse. Enfin vous pouvez faire un mix de tout. Après pensez bien à l'animation. Donc en sèche c'est vrai que ça prend un peu au départ. Après ça a tendance à couler tout doucement. Et c'est vraiment le plus le là où j'ai eu le plus de résultats, c'est vraiment en tricotant. Pour que ça bouge un peu dans l'eau, ça se gonfle. C'est juste, c'était très sympa. Vraiment. Et puis, je vous dis, c'est streamer pas lesté, donc facile à lancer. On fatigue pas. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez autant de résultats avec cette mouche que moi. Et puis, bon montage. Au plaisir.